L'objectif de la naturopathie, c'est de prendre en compte la personne dans sa globalité, que ce soit son corps, mais aussi son mental, son état d'esprit. Quand on reçoit une personne, on la reçoit avec attention et bienveillance. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la cause de ces maux. D'aller vraiment au plus profond, de trouver l'élément déclencheur, en fait. Et pour cela, on utilise des outils simples et naturels. On va parler évidemment d'alimentation, mais aussi d'exercice physique, de respiration. Et quand c'est nécessaire, on utilise tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, les bourgeons avec la gémothérapie, toutes les plantes que l'on connaît et qui peuvent être d'un grand secours pour nous au quotidien. Je suis donc naturopathe, mais au départ, j'ai une formation en diététique. Je suis diététicienne diplômée d'État. J'ai travaillé un petit peu à l'hôpital et j'ai très vite eu envie de prendre les personnes dans un aspect beaucoup plus global. Donc j'ai fait une formation aussi en plantes médicinales, ce qui m'a bien ouverte avec l'École lyonnaise des plantes médicinales pendant 3 ans. Je suis employée à la coopérative Le Cœur en tant que naturopathe et conseillère bien-être. Aujourd'hui, on va ouvrir très prochainement le cabinet bien-être. Il ouvre le 4 octobre. Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour des consultations de shiatsu, d'aromathérapie ou de naturothérapie. On propose 2 types de rendez-vous. Un premier rendez-vous, plutôt un rendez-vous bilan qui va durer 1h30. Et par la suite, si nécessaire, des rendez-vous de suivi qui durent 45 minutes. Vous pouvez réserver votre rendez-vous en ligne sur le site Le Cœur.